Alors, cette convocation, quand je regarde, j'ai reçu aujourd'hui, en fait. Donc, j'entends moi aussi, moi je crois qu'on est à plusieurs à voir toutes ces convocations. Donc, vous comprendrez qu'il nous est très difficile, je sais, de venir dans les commissions qui se déroulent le 13. Donc, je voudrais savoir si on s'est trompé. Non, l'ensemble des dossiers, les convocations sont parties en même temps que les convocations du conseil municipal. J'imagine que la coupure du 11 novembre a dû provoquer quelques retards. Oui, mais de gagner à gagner, c'est normal qu'il soit timbré en économie, puisque on les dépose à la poste. Il n'y a pas de cheminement à faire. Bon, écoutez, on fera les remarques nécessaires à la poste. J'ai déjà demandé à l'administration, je le renouvelle, d'envoyer les convocations dans le même dossier que le dossier du conseil municipal, de façon à ce que vous ayez tous ensemble. Apparemment, vous avez eu des dossiers différents entre les deux. Très bien, merci. Monsieur Benzaïer. Monsieur Dembélé. Monsieur le maire, j'ai été interpellé par les commerçants de la place Avernel pour voir si cette année, ils ne vont pas être oubliés pour un petit sapin de Noël. Monsieur Dembélé, le problème des décorations de Noël de la place Avernel est un problème délicat parce que je parle sous le contrôle du directeur de l'environnement du cadre de donc il n'est pas là ce soir, mais l'année dernière, le service a dû réintervenir au minimum trois fois, pour, ou quatre fois, non, la main quatre fois, pour dire quatre fois, alors peut-être quatre fois, cinq fois, non, attendez, je termine. Donc, doit intervenir trois ou quatre fois pour remettre en état les guirlandes et les motifs qui ont la qualité dégradée. Donc aujourd'hui, le service s'interroge sur ce qu'il va faire pour cette année. On va nous parler d'un sapin. Le sapin, ça m'inquiète encore un peu plus parce que le sapin, il est au ras du sol. Les guirlandes sont en hauteur, elles sont un peu protégées. Mais le sapin, j'ai peur qu'il tienne ou quelques minutes ou quelques heures. Hein. On va demander au service s'ils ont un sapin, mais le sapin m'inquiète un petit peu. On l'a fait une année. Et actuellement, les illuminations sont en train de se mettre en place. C'est pas encore terminé. Donc, on va signaler votre intervention au service compétent, mais aussi pour les adjoints qui s'occupent de ce secteur-là, d'entendre votre demande. Et je vois qu'ils tendent le doigt vers le bouton, ils souhaitent vous apporter un éclaircissement. Monsieur le maire a demandé sa mise en charge justement des guirlandes, d'installer des guirlandes elles-mêmes, de voir si nous arrêtons justement pour en installer la tavernée. Mais l'année dernière, il est vrai effectivement que nous en avions installé. Et à part 4 reprises, ou 3 ou 4 reprises, elles ont été détruites, escarpées. La question était simplement sur un sapin de Noël. Bien, mesdames, messieurs, donc le jour est terminé. Je remercie le public d'avoir assisté à cette séance. Je vous souhaite de bonnes soirées. Nous nous retrouverons au mois de décembre pour une autre séance.